Je te remets des cartons. Sur les cartons, il y a des mots et il y a ce que ça veut dire, la définition de ce que le mot veut dire. Tu devras les lire avec ton équipe et tu devras faire deux catégories. La catégorie des comportements qui favorisent et la catégorie des comportements qui nuisent à l'amitié. D'accord? Et ensuite, on va regarder qu'est-ce que tu as fait. On va venir inscrire les mots au tableau. Ça vous va? Oui, oui. C'est en équipe, oublie pas, c'est un travail d'équipe. Donc, est-ce que c'est juste une personne qui travaille? Non. C'est? Tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est quoi, madame? Ben, demande à ton équipe. Vous êtes en équipe. C'est un travail d'équipe, hein, les entre gars? Amis. Donc, moi, ce que je veux, c'est deux colonnes, comme au tableau. Les comportements qui nuisent, les comportements qui favorisent. Okay. Donc, je veux deux colonnes. Vous les placez en deux colonnes. Racine, vas-y. Il n'en reste plus beaucoup. Il en reste juste trois. La quoi? La gentillesse. La gentillesse. Entre amis, on se rend des services et on est un aimable l'un envers les autres. Alors, tu vas mettre ça dans quelle colonne? Ça favorise la gentillesse? Oui. Nathan, à toi? L'acceptation. Entre amis, on s'aime comme on est et on ne se moque pas de l'autre. Tu vas mettre ça dans quelle colonne? L'acceptation, donc accepter les autres? Sans se moquer d'eux. Dans favorite. OK, parfait.